Bim, allez, nous voilà sur le stand ACO Monsdic. Alors, pourquoi ACO? Parce qu'on a testé leur dernier produit. J'avais une intermédiaire qui voilà, connaissait leur produit, donc c'est pas grave. Et Monsdic, parce qu'il y a Geek dedans, voilà. Donc, ils ont leur gamme de claviers. Bon, on retrouve exactement ce qu'ils savent faire. C'est-à-dire des claviers un peu gaming. Ça, c'est intéressant. Il paraît que ça marche super bien, ça, pour ceux qui font un peu du gaming ou qui veulent taper vite. Je suis pas extrêmement convaincu, mais. Il paraît que c'est bien, voilà, une main gauche, main droite. Le stand, ça sera vraiment une des tendances. J'ai l'impression que les gens, ils savent pas ce qu'ils font là, la plupart des vendeurs. Ils sont là parce qu'il y a un salon, mais ils savent pas trop. Ils sont posés là, ils attendent un peu le chaland. Et le chaland n'a pas l'air d'être homogène partout. Hein. Il y a des endroits, on a vu dans le truc gaming, où il y a plein de monde. Il y a des stands où les mecs ont rien. Ils sont là, ils ont un stand un peu joli et ils ont quelques cartes de visite, mais c'est tout. Donc c'est assez, pour l'instant, c'est assez disparate au niveau. Alors après, c'est le premier jour et tout, mais on sent que là, déjà, il y a beaucoup moins de monde que dans l'autre salon et voilà, on sent que, je sais pas, la plupart, ils sont là, ils savent pas trop, on leur a dit d'aller au Computex et tout. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas mal de marques qu'on connaît qui sont pas là. Oh, Monster, ça par contre on connaît, on va faire une petite vidéo, c'est pas mal, et c'est pas Minux, pour ceux qui auront la référence, c'est Minux.